Guten Abend, beieinander. Ich bedanke mich, dass ich hier einen Vortrag erhalte über August Schneegans und Camille Dallet, wobei die Abgeordnete sind von Zavra. Wie der André Wegmann geschrieben hat, wissen wollen wir, was wir sind, erst noch können wir bestimmen, was wir wollen waren. Si l'on enseigne l'histoire et la culture de France en France, c'est pour fabriquer du français. Et si on n'enseigne pas l'histoire et la culture d'Alsace, c'est pour ne pas fabriquer de l'alsacien. La première chose qu'on nous a prise avant de nous prendre notre langue, c'est notre histoire et notre culture, parce que nous, Alsaciens, n'avons plus les moyens de nous identifier à quelque chose qui nous est propre. Et c'est la raison pour laquelle il est évidemment très important d'ouvrir les livres d'histoire et de parler de nous-mêmes, de ce que nous avons été et de ce que nous voulons évidemment être et devenir. Wir wollen bleiben, was wir sind, wir wollen aber wahren, was wir sind. August Schneegans est né en 1856 à Strasbourg et il est décédé en 1898 à Gênes, en Italie. Camille Dallet, lui, est né à Saverne en 1883 et il est mort à Brumath en 1963. Avec ces deux personnages, anciens députés de Saverne, nous avons toute une palette sur plus d'un siècle d'histoire de l'Alsace, d'autant plus que Camille Dallet, en raison de sa position, a continué à mener le combat après 1945 et donc jusqu'à sa mort pratiquement en 1962. Il est décédé à Brumath, à Edebesselet de Kopfelorikette, aufs Amt. Bon. Alors venons-en à Schneegans. Schneegans est donc né à Strasbourg en 1856. Il fréquente ensuite le gymnasium, c'est-à-dire le gymnase protestant, où c'est un lycée, hein, où l'on enseignait, où l'on pratiquait un enseignement bilingue, français et allemand. Nous sommes avant 1870, donc l'Alsace bénéficiait d'un enseignement bilingue à l'époque. Le français ne devient langue d'enseignement en Alsace qu'à partir de 1832. Et il devient langue d'enseignement à partir de 1852, tout au long de l'histoire de l'Alsace, sans interruption, et jusqu'en 1945, on a enseigné l'allemand dans les écoles primaires d'Alsace. C'est quelque chose que beaucoup de gens ont oublié. Il suffit de lire aujourd'hui les DNA pour voir les idioties que racontent certains hommes politiques en ce qui concerne les panneaux bilingues que la municipalité de Strasbourg se propose d'apposer à l'entrée de la ville. À lire cet article des pages de Strasbourg de DNA d'aujourd'hui, on voit renaître un anti-germanisme, un anti-bauchisme en Alsace, ce qui est quand même catastrophique en 2015. Donc, il suit un enseignement bilingue au gymnase. Après, il fait une licence de lettres. Puis, il devient secrétaire de la section française de la commission du Danube et il séjourne plus d'un an à Galatz, en Hongrie. Et là, il fait une expérience très intéressante du multiculturalisme et de la diversité culturelle. Il entre en contact avec des Hollandais, des Allemands, etc., tout ce qui longe, en fait, le Danube. Et c'est quelque chose qui va le marquer profondément. Il va sortir de sa francité pour découvrir autre chose. Puis il est journaliste. Toute sa carrière, il sera journaliste. Il est journaliste à Paris pour plusieurs journaux. Et il revient en Alsace où il est rédacteur du Courrier du Bas-Rhin. Et il assure la correspondance allemande du temps et
ce qui lui permet d'entrer en contact avec le monde politique allemand et notamment avec les libéraux, ce qui va aussi considérablement le marquer. C'est un libéral, c'est un protestant, tout comme d'ailleurs Camille Dallet aussi, et il va participer à des actions progressistes dans le cadre de la Ligue de l'enseignement, de la Société des bibliothèques populaires, etc. C'est un libéral, un progressiste et un franc-maçon. Il est à la loge des Frères réunis de Strasbourg. D'ailleurs, Camille Dallet aussi a été franc-maçon. Il est adjoint au maire de Strasbourg. Puis, patatrac, 1870-1871, nous sommes en guerre franco-prussienne. La France perd la guerre. Et les députés se réunissent à Bordeaux, l'Assemblée nationale déménage à Bordeaux, et à Bordeaux, donc, on va discuter de la cession de l'Alsace-Lorraine au Deuxième Reich, au Reich allemand. Sous la houlette de Gambetta, tous les députés alsaciens vont protester, c'est ce qu'on va appeler les protestataires, donc ils vont protester contre la cession de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine à l'Allemagne, bien que plus de 70% des députés français de l'Assemblée nationale va approuver cette cession. Donc la cession de l'Alsace et d'une partie de la Moselle se fera de plein droit, notamment international. Certains parlent d'annexion, d'autres parlent de cession, selon le point de vue de l'histoire que l'on défend. Donc il est francophile et il est député, il se fait élire député protestataire. Il fait donc partie de ce groupe qui va protester contre la cession de l'Alsace à l'Allemagne. Il est très brièvement député français, donc du 8 février 71 au 1er mars 71, puisque ces députés vont ensuite démissionner. Il quitte l'Alsace et il exerce des activités journalistiques d'abord en Suisse, à Berne, où il publie un journal qui s'appelle Helvétie, qu'il va clandestinement diffuser aussi en Alsace. Puis il est journaliste à Lyon, notamment au Journal de Lyon, dont il devient rédacteur en chef en 1872. Il est optant en 1872. Vous savez que l'administration allemande va permettre ou autoriser ce qu'on appelle l'option. Donc les Alsaciens qui ne veulent pas devenir allemands après 1870-71, ils peuvent opter pour la France. Donc ils n'auront pas la nationalité allemande, ils gardent la nationalité française, mais ils doivent quitter l'Alsace. C'est la condition. On parle de 150 000 optants sur une population de 1 million environ. Mais finalement, il n'y en a que 50 000 qui quitteront l'Alsace. Donc, il est optant, ce qui met en avant sa francophilie. Il refuse que l'Alsace devienne allemande. En 1873, il se passe quelque chose qui le fait changer de position. Il abandonne ses activités journalistiques lyonnaises. Il constate l'impuissance du libéralisme qu'il représentait face au développement de l'ordre moral, d'une droitisation et aussi de la restauration en France. C'est après la chute de Thiers. Il revient en Alsace, principalement pour des motivations libérales et de défense des intérêts alsaciens. Il constate l'impasse de la protestation. Donc, pendant quelques années, il y aura un fort courant protestataire en Alsace. Les Alsaciens refuseront d'une part de participer à l'administration allemande et à s'abstenir aux élections. Notamment, ce courant est notamment conduit par la Ligue d'Alsace. Donc il constate cette impasse et il se dit « on ne peut quand même pas laisser l'Alsace aux mains des seuls Prussiens, autant
nous prendre en main nous-mêmes, du moins essayer d'y arriver. Il est en liaison avec des industriels mulhousiens qui représentent un capitalisme libéral. Et en Alsace est créé le journal d'Alsace. C'est le premier journal autonomiste. Au début, il n'en fait pas partie parce qu'il a des doutes sur les financements. Mais finalement, il devient rédacteur en chef. Il en prend la direction en 1875. Dans ses mémoires, j'ai réussi à me procurer ses mémoires sur Amazon. Voilà. Il reste de rares exemplaires. Il décrit ce revirement donc qu'il opère dans les années 1873. Donc, il parle de ses mémoires. Le livre est publié en allemand, mais la citation, elle est en français. Il était parfaitement bilingue, donc il écrivait à la fois l'un et l'autre. Ces pages sont destinées à mes enfants. Je les écris au lendemain de la résolution la plus grave que j'ai été amené à prendre, au lendemain du jour où j'ai quitté la France pour rentrer dans mon pays, dans ma ville natale, au milieu de mes concitoyens. Les dures expériences que j'ai faites durant ces 3 années, donc 1870-1873, ne doivent pas être perdues pour mes enfants. Ceux-ci y puiseront l'amour pour leur petite patrie, l'attachement indélébile à notre Alsace, à ce pays, le plus malheureux d'Europe, puisque éternellement ballotté entre les deux grandes nations voisines et rivales, il est condamné à ne jamais trouver son assiette et que les vicissitudes internationales remettent en question tous les 2 ou 3 siècles la constitution de son individualité. Nous, Strasbourgeois, de vieilles roches, nous nous devons à ce petit pays. Notre place est ici. Nos pères n'émigrèrent pas en 1681 quand Strasbourg devint français. Pas plus que nous ne devons émigrer aujourd'hui que Strasbourg retourne à l'Allemagne. Nous avons le devoir strict et absolu de maintenir chez nous le vieil esprit de la ville libre impériale. Quelle que soit la conquête qui passe sur nous, Strasbourg doit rester Strasbourg. En 1875, il fonde le premier parti autonomiste, dit Autonomistische Partei, et il est doublement le premier autonomiste. Il est premier autonomiste dans le temps. C'est la première fois où en Alsace naît un parti autonomiste. Et il y aura un autre parti autonomiste à la fin du 19e siècle. En 1877, il est élu député de Saverne au Reichstag avec 4 autres autonomistes. Nessel à Hagenau-Wissembourg, Nord à Strasbourg-Campagne, Rack à Molsheim-Eerstein et Bergmann à Strasbourg-Ville. Lors de la première session à Berlin, voici ce qu'il dit. Il le dit en allemand, je vous le lis en français. « Nous nous présentons à vous comme députés allemands d'un pays allemand. » Autrement dit, il tire les conclusions. Il se dit « Nous, Alsaciens, nous n'allons pas remettre en question le traité de Versailles. Nous n'avons pas ces moyens-là. Donc, essayons de gérer au mieux la situation. » En octobre 1877, il fait une forte intervention au Reichstag au cours du débat sur l'évolution du Landesausschuss. Le Landesausschuss, c'est une espèce de conseil régional sans beaucoup de moyens au départ. En juillet 1879, il fait une nouvelle intervention faisant suite à son dépôt de motion pour une loi constitutionnelle pour l'Alsace-Lorraine. Il va donc dans sa conception des choses imaginer que l'Alsace trouve dans le cadre de l'Empire allemand un statut équivalent aux autres États fédérés, le Reich étant une fédération. Grâce à ce mouvement autonomiste qui prend une certaine ampleur en Alsace, Berlin va faire des concessions. Et Berlin décide de mettre en place le Landesausschuss, qu'on appelle la délégation, en 1874, mais uniquement, c'est une chambre uniquement consultative. Mais ses pouvoirs seront élargis en 1877 et la délégation va
profiter d'un pouvoir délibératif, va pouvoir voter le budget de l'Alsace-Lorraine et va pouvoir faire des lois locales. Ce qu'on appelle le droit local, on y fait beaucoup référence, ce droit local est constitué d'anciennes lois françaises d'avant 1870, il est constitué de lois votées à Berlin et il est constitué de lois votées à Strasbourg. Berlin décide aussi de supprimer la fonction d'Oberpräsident qu'il avait mis en place après la guerre pour les remplacer par un Statthalter, le Statthalter étant le représentant de l'empereur dans le Reichsland Elsace-Lothringen. Et on va créer à Strasbourg un ministère d'Alsace-Lorraine avec un secrétaire d'État et quatre sous-secrétaires. Si vous allez aujourd'hui sur la place de la République à Strasbourg et Malika Kaiserplatz, vous y verrez les bâtiments de l'ancien ministère d'Alsace-Lorraine. Nous avions donc un gouvernement. Pas qu'un gouvernement d'ailleurs. Nous avions aussi un parlement, nous avions aussi une constitution et nous avions même une citoyenneté. Donc, ce qui est intéressant à noter, c'est que au départ, l'Alsace est gouvernée de Berlin. Il y a une chancellerie d'Alsace-Lorraine à Berlin. Et à partir de maintenant, l'administration est délocalisée à Strasbourg même, où donc s'installe ce ministère. Quatre sous-secrétaires, un pour l'intérieur, les cultes et l'instruction, un pour la justice, un pour les finances et les domaines, un pour l'industrie et l'agriculture et les travaux publics. Voilà. Et l'Alsace-Lorraine va bénéficier de trois sièges au Bundesrat. Le Bundesrat étant l'assemblée où siègent les États fédérés. C'est vrai que l'Alsace-Lorraine n'aura qu'une position consultative au Bundesrat, parce que les autres États fédérés veulent éviter que les votes alsaciens au sein de ce Bundesrat puissent renforcer le vote prussien. En 1879, patatrac, nouvelle élection au Reichstag. Schneegans et les autres autonomistes ne sont pas réélus. Alors, qu'est-ce qui se passe en l'espace d'un an? Il y a la Bismarck, en fait, perd le Kulturkampf. Le Kulturkampf, c'est une action menée par Bismarck contre les cléricaux et notamment contre l'Église catholique, avec une perception, une volonté de séparer l'Église et l'État. Ça ne va pas réussir, et donc tous les libéraux qui s'étaient agrégés autour de ça vont y perdre dans l'affaire, et donc aussi les autonomistes. Berlin a connu un changement de majorité, et en Alsace-Lorraine, faisant suite à l'échec du Kulturkampf, les conservateurs protestataires reprennent le dessus pour un moment du moins. Donc les protestataires qui avaient plus ou moins disparu de la scène reviennent sur le devant de la scène pour un moment du moins. Je l'ai déjà évoqué avant, il faudra attendre la fin du 19e siècle pour voir renaître un second mouvement autonomiste en Alsace qui ensuite va perdurer jusqu'à aujourd'hui. En 1880, Schneegans entre dans l'administration centrale. Il quitte le monde politique, le parti politique. Il entre dans l'administration centrale. Il est ministérialrat, donc conseiller ministériel au ministère d'Alsace-Lorraine, puis au ministère des Affaires étrangères à Berlin. Il entre en conflit avec le Statthalter et il va demander à quitter l'Alsace-Lorraine. Et il obtient un poste de consul, d'abord à Messine, puis à Gênes, où il décède. Voilà pour August Schneegans. On pourrait résumer son positionnement de francophile. Est-ce qu'il devient germanophile ou est-ce qu'il devient véritablement alsacophile? Je pense qu'il est... Il se rend compte, comme Camille Dallette le fera plus tard, que l'image qu'il se faisait de la France
n'est pas du tout celle de la révolution, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, et que derrière tout ça se cache autre chose. Voilà. Donc, on va passer à Camille Dallet, à moins que vous ayez des questions sur Schneekans, où on en parle plus tard. Pourquoi député de Saverne ? Parce que protestant, et ici c'était une circonscription fortement sous influence protestante. Donc si on... Le seul député bon. Catholique de la circonscription, ça a été Adrien Zeller. Qui a dû s'adjoindre les services d'un... Adrien Zeller a dû s'adjoindre les services d'un suppléant catholique pour remporter la circonscription. C'était le maire de Bolchheim. Sans juste. Le maire de Bolchheim. Ouais. Parce que sinon, il n'aurait pas remporté la circonscription. Bien. Camille Dallet... Donc, il est né à Saverne en 1883 et il est décédé à Brumath en 1963. Pour caractériser Camille Dallet, on pourrait dire qu'il était autonomiste, qu'il était de gauche, qu'il était francophile et européen. Tout ça, ça paraît paradoxal, mais en fait, ce ne l'est pas du tout. Voilà, on peut être francophile et être autonomiste. On peut être de gauche et autonomiste. Camille Dallet, il a une formation de pharmacien, mais il va rarement exercer le métier de pharmacien. Il va surtout être journaliste. Il va animer différents journaux tout au long de sa carrière, et il sera aussi dirigeant politique, puisqu'il va notamment présider aux destinées de la Fortschrittspartei, donc du Parti progressiste d'Alsace et de Lorraine. Il commence à se manifester en étant étudiant, où il s'inscrit à la Ligue des étudiants alsaciens. Et il faut dire que son père était très francophile. Son père travaillait à Zorndeler, à l'usine, et il était président de Souvenirs français. Donc, Camille Dallet, dans son enfance, entend beaucoup parler de la France, et on lui dit beaucoup de bien de la France. Et il développe une francophilie, et dans le cadre de ses activités étudiantes, il va créer une revue, Hartz-Weiss, qui va faire la propagande de la jeune culture alsacienne, notamment René Chiquelé. Il sera publié, et il va afficher une opposition à l'administration allemande, et jeune étudiant, il va déposer une gerbe Rotenwiss au monument de Kléber lorsqu'il s'agit de fêter la bataille d'Austerlitz. Donc c'est très important pour comprendre Camille Dallet, il part d'un point de vue très français. Mais en même temps, il est alsacien et il se rend compte, il comprend assez tôt les mécanismes qui sont mis en place par Berlin, par l'administration prussienne, pour porter atteinte à une certaine identité de l'Alsace. Ça, c'est très important. Il y aura cette révolte-là. Mais, et grâce à cela, en 1918-19, lorsque l'Alsace redevient française, étant investi, ayant analysé ces différents mécanismes, il sera le premier à réagir en 1919 lorsqu'il se rendra compte que, en fait, les Jacobins de Paris pratiquent en gros la même politique que celle qui avait été pratiquée par les Prussiens. Il sera donc le premier à parler de Heimatrechte et de Sprachminderheiten. Voilà. Par la suite, il va donc développer, il va devenir un homme politique extrêmement actif. À mon avis, Camille Dallet, c'est de l'envergure d'un Pierre Primelin. Camille Dallet était pressenti pour devenir président du Parti radical socialiste, puisqu'il commence sa carrière politique au Parti radical socialiste, il le quittera après,
parce qu'il se rendra compte que ce sont des Jacobins, mais il va renoncer à devenir président parce qu'il ne veut pas aller à Paris, il veut rester en Alsace et défendre les intérêts alsaciens. Flimelin est un homme politique français, Camille Dallette est un homme politique alsacien. C'est une intelligence, une grande intelligence, et aussi un caractère et d'une fidélité sans faille à l'Alsace. Il va, au cours de sa carrière politique, s'allier aux autres partis autonomistes un certain temps, mais il va aussi très tôt se rendre compte que, à partir de 1933, lorsque Hitler arrive au pouvoir, les choses commencent à mal tourner, et il sera le premier, avec ses compagnons, enfin quelques-uns du moins, à annoncer déjà ce que sera le régime nazi. En raison de sa francophilie, il ne sera pas poursuivi comme l'ont été des compagnons de lutte, il ne fera pas partie des Nanziger, il ne sera pas lors du fameux Noël où l'administration va mettre en question certains leaders autonomistes la nuit de Noël, hein, voilà. Et donc on n'osera pas s'attaquer à la personne Camille Dallette. On s'est attaqué à ces journaux aussi ont été interdits, voilà. Donc il va toujours défendre un point de vue français en Alsace, mais son autonomisme est un démocratisme. Son autonomisme, c'est celui des droits de l'homme, ce n'est pas un ethnisme comme le sera l'autonomisme de quelques autres. En 1940, il reste en Alsace, il retourne dans une pharmacie, place de la gare à Strasbourg, il refuse de participer, de collaborer, d'avoir des activités, quelles qu'elles soient, avec le régime nazi, ce qui lui vaut d'être, en 1944-45, renommé membre du conseil municipal de Strasbourg. Le premier conseil municipal de Strasbourg sera nommé. Il n'y aura pas d'élection. Donc, il fait partie de ce conseil municipal. Autrement dit, on n'a rien à lui reprocher. Ce qui lui donnera la force, puisqu'on n'a rien à lui reprocher, de défendre des anciens compagnons de lutte qu'on a traînés en justice au moment de l'épuration. Un des drames importants, influents, qui a marqué les consciences alsaciennes, c'est l'épuration, à mon sens encore davantage que l'incorporation de force. Chaque famille alsacienne a été de près ou de loin touchée par l'épuration. Et cette épuration a fait en sorte que les Alsaciens ont courbé les chines. Et il y a toute une génération d'Alsaciens qui n'a pas réagi lorsque l'administration centrale, lorsque les Jacobins ont mis en œuvre, à partir de 1945-1946, en Alsace, ce qu'ils n'avaient pas pu mettre en œuvre avant 1940. Tout ça au profit d'un renversement de situation. J'ai évoqué le conseil municipal de Strasbourg. Prenons le conseil municipal de Strasbourg en 1940. Il est à majorité régionaliste ou autonomiste. En 1945-46, premier conseil municipal donc nommé par le préfet, il n'y a plus d'autonomistes. Ils sont tous passés sur la table, ils ont tous été rayés des listes. Le seul, c'est encore Camille Dallette. Et grande surprise, il y aura pratiquement, lorsque Leclerc viendra libérer Strasbourg, il n'y aura pas d'homme politique d'envergure à Strasbourg, et c'est Camille Dallette qui va accueillir le général Leclerc à Strasbourg. C'est un clin d'œil de l'histoire assez intéressant. Et donc, après 1945, il sera le seul, quasiment le seul homme politique à défendre véritablement les intérêts alsaciens. Il va tenter de remonter un parti régionaliste dans les années 1958. Ça ne va pas donner grand-chose.
En tout cas, il va diffuser un journal qui s'appelle La Voix d'Alsace-Lorraine, Die Stimme Alsace-Lothringens. Donc, c'est un journal autonomiste et pro-européen. Mais une certaine Alsace bien pensante va tenter de l'éliminer et on fera même des procès politiques à Camille Dallette dans les années 50. Donc, il va publier le Cahier Vert où il prendra position contre l'épuration, il prendra position pour Strasbourg et pour l'Europe. Il sera le premier à parler d'un district Strasbourg sous souveraineté directe de l'Europe. Donc, c'était un personnage, je l'ai déjà dit, extrêmement intelligent, mais qui avait aussi une vision de l'histoire et du temps aussi. Une vision à long terme de l'Alsace. Voilà. C'est à mon sens ce que nous avions de mieux en Alsace. Je vais lancer une petite pique à Unterland. Unterland, mais oui, Unterland parle beaucoup de Riquelin, de Rosset et de Képi, mais très peu de Camille Dallette. Alors que Camille Dallette, c'est justement l'homme politique, l'autonomiste qu'il faut mettre en avant. Parce que, bon, je n'ai pas dit qu'on peut faire des reproches aux autres, mais Camille Dallette, c'est Camille Dallette. Voilà. Voilà. Il y a, si vous avez encore 5 minutes, il y a un texte d'anthologie rédigé par Camille Dallette. Je vais le trouver assez rapidement. Donc un texte d'anthologie qui devrait trouver sa place dans tous les livres d'histoire à destination des enfants d'Alsace. Janvier, 30 janvier 33, Hitler prend le pouvoir. Certains autonomistes alsaciens vont de près ou de loin se rallier. Certains, une très petite minorité, il faut que ce soit dit. Mais Camille Dallette, il va envoyer un message, et ce message, c'est le suivant. Parce qu'au sein même de la Fortschrittspartei, il sera critiqué parce que des membres de la Fortschrittspartei sont prêts à tenter un rapprochement avec le nouveau régime en Allemagne. Il dit, mais notre alsacianité n'est pas un nationalisme alsacien. Il est européanisme et l'internationalisme. Dans le conflit d'opinion qui s'est malheureusement installé dans notre mouvement à propos de démocratie ou état totalitaire, souveraineté populaire ou despotisme, république ou dictature, droit de vote universel ou droit d'arbitraire d'un unique parti, humanisme ou délit raciste, liberté civile ou mise au pas par dressage dans des camps de concentration, nous sommes en octobre 33, état de droit ou régime d'inquisition, liberté de conscience ou terreur de conscience, droit de l'homme ou raison d'état, liberté de pensée ou dogmatisme, liberté de la presse ou presse muselée et autodafé de livres, nous nous trouverons fidèles à notre passé, sur le côté de la barricade où sont défendus la liberté, le droit et la dignité humaine. Les droits de l'homme et les droits civils restent, pour nous, tout aussi sacrés que les droits des minorités et le droit à l'autodétermination, qui ne sont rien d'autre que les droits de l'homme et civils des collectivités. Convaincus de la possibilité, de l'utilité, de la nécessité de la morale en politique, nous refusons de participer au jeu de la double morale, qui s'est hélas presque généralisée dans la politique intérieure et étrangère et qui consiste à condamner dans un cas ce que l'on approuve dans l'autre. Nous ne vénérons pas le drapeau du nationalisme, nous sommes contre lui, qu'il apparaisse sous le signe du béret basque, des faisceaux des licteurs ou de la croix gammée. Nous refusons l'unité du peuple par la contrainte, tout autant que l'unité culturelle par la contrainte. Nous n'acceptons pas l'État comme un haras où l'on élève des races pures ou comme lit de Procuste.
En tant que défenseur progressiste des droits de la Heimat, nous sommes d'autant plus résolus à défendre les principes démocratiques que tout notre mouvement est fondé sur une revendication démocratique et que nous serions les premiers victimes d'un régime pour lequel la raison d'État est tout, la volonté populaire et les droits des individus, rien. Nous ne sommes pas de l'avis qu'il est de notre devoir de recommander un système de gouvernance qui, partout en France aussi, est souhaité par les pires nationalistes et qui nous apporterait la terreur de 1919 et de 1928 comme État permanent. C'est extrêmement fort. Autrement dit, dès 1933, il dit aux Alsaciens, méfiez-vous de ce qui va arriver, parce que ce qui va arriver, c'est l'antithèse de l'autonomisme. Le nazisme, c'est la quintessence du jacobinisme. Voilà. Si vous avez des questions.